Hello, student. Bonjour. Hope you are fine for today. We are continuing today our French speaking episode number two. And as we mentioned before, this is the topic conversation number one. We are going to talk today about la santé. La santé. Qu'est-ce que ça veut dire la santé? Health. La santé. That means all the question will be about health and what do you do to stay healthy. D'accord? On commence. As we mentioned before, the speaking test will include one role play, two topic conversations. We are done with the role play for episode number two, the topic conversation, now number one. D'accord? La santé, the topic or the thème, le thème et la santé. Premièrement, we will discuss the question and we understand the question before we will try to answer that. D'accord? Léon, like we said also before, that the topic conversation, even that the topic conversation number one or number two include five questions. Okay, only five questions that you will have to answer them in 4 minutes. That means that you have to talk as much as you can about every question, not short answers, okay? I'm repeating, short answers are not useful in the exams, d'accord? Short answers will not help you to get a good mark, d'accord? Now I want long answers, d'accord? As much as you can, many details, think about yourself, d'accord? On commence. Premièrement, la question numéro un, combien de repas manges-tu chaque jour? Je répète, combien de repas manges-tu chaque jour ou par jour? How many meals do you eat every day? That means we will mention the meals and we will mention when I eat them in the morning, afternoon or at night. D'accord? Numéro 2, que manges-tu au petit déjeuner? What do you eat in the breakfast? D'accord? That means I have to mention what I eat, what I drink usually, d'accord, during breakfast. Numéro 3, parle-moi des activités que tu as faites récemment pour garder la forme. What activity did you recently do to stay healthy or to stay fit? Garder la forme, to stay fit, and where? Où as-tu fait des activités? Where? Where? Où as-tu fait ces activités? Where did you do these activities? Numéro 4, selon toi, quel est le plus grand danger pour la santé des jeunes? What is the most dangerous thing for the health of the young people? We have to mention one thing and we'll say pourquoi. That we can say smoking is dangerous, you know, alcohol is dangerous for the health of the young people. Numéro 5, à l'avenir, this is a question, the normal question about the future. À l'avenir, in the future, que pourrais-tu changer dans ta vie pour améliorer ta santé? What you would like to change in your lifestyle to improve your health? And pourquoi? And why? D'accord? On commence. Je répète la question une autre fois. Combien de repas manges-tu par jour? Numéro 2, que manges-tu au petit déjeuner? Numéro 3, parle-moi des activités que tu as faites récemment pour garder la forme. Où as-tu fait ces activités? Numéro 4, selon toi, quel est le plus grand danger pour la santé des jeunes? Pourquoi? Numéro 5, à l'avenir, que pourrais-tu changer dans ta vie pour améliorer ta santé et pourquoi? Pourquoi is a very important answer. D'accord? Très bien. Maintenant, on commence à répondre. Of course, I'm giving you some easy answers, but you can add more according to your level. D'accord? If you want the A star, that means that you have to work hard to get it. D'accord, mes chers? Très bien. Premièrement, combien de repas manges-tu par jour? Les repas de la journée? Les repas de la journée, ce sont the meals of the day. Les repas de la journée. Je mange 3 repas, les repas de la journée. I used to eat 3 meals or to have 3 meals per day. Les repas de la journée. What are les repas de la journée?
Le petit déjeuner, breakfast, le petit déjeuner. Le déjeuner, lunch, le dîner, dinner. Je répète, je mange trois repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. D'accord? Now, que manges-tu au petit déjeuner? What do you eat in the petit déjeuner for breakfast? You will say, au petit déjeuner, je prends, I take du pain. Take care of that, hein, partitive preposition. Du pain et un œuf. Et je bois un chocolat chaud. Je mange, you can say je mange. Je bois, je mange, I eat. Je bois, I drink. Je mange, je bois. But you have to use a preposition before the eating or the drink you have to say. Je mange du pain. Je mange hein, du croissant. Je mange un œuf. Je bois un chocolat chaud. Je mange une omelette. You can take une omelette. Je mange une omelette. Je mange un croissant. Je bois un café. Je bois du café. D'accord? Take care of the prepositions that you put in front of the food that you eat or drink. Numéro 3, parle-moi des activités que tu as faites récemment pour garder la forme. Où as-tu fait ces activités? You will mention récemment because they ask you about récemment. Récemment, je suis allée, this is the past tense, je suis allée hein, à la gym, à la salle de gym et j'ai joué au basket avec mes amis. J'ai joué au football and don't forget, this is a very common mistake, jouer au, don't forget, don't put jouer du, jouer football, non, jouer au football, jouer au basketball, jouer au tennis, d'accord, avec mes amis. But first, you will say, I went to the gym, je suis allée à la salle de gym, or I went to the club, je suis allée au club, et j'ai joué au basket avec mes amis. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière pour être en forme? What did you do last week to stay fit? La semaine dernière. Of course, I start with la semaine dernière. I went where? Je suis allée au collège à pied. I went to my school on foot. D'accord? It's a very good activity to go on foot. Et j'ai mangé beaucoup de fruits et des légumes. J'ai mangé beaucoup de, take care, because a lot of students, they forget beaucoup de, and they put beaucoup de, beaucoup des, non. It's always beaucoup de, it's invariable. Invariable, that means we never change it. J'ai mangé beaucoup de fruits et de légumes. I ate a lot of fruits and vegetables. D'accord? But what are the two activities that you did to stay in fit? I went to college on foot and I ate a lot of fruits and vegetables. D'accord? You can say j'ai fait du sport. You can say j'ai fait du sport. J'ai joué au basket, like we said before. J'ai fait du sport. Hein? J'ai fait de la randonnée. J'ai fait du vélo. I did some biking. D'accord? J'ai fait du sport. J'ai fait du vélo. All of these are activities that are good for your health. D'accord? Après, à ton avis, la question numéro 4. À ton avis, qu'est-ce qui est dangereux pour la santé des jeunes et pourquoi? What is dangerous for the health of the young people? I mentioned here le tabac. Le tabac, qu'est-ce que ça veut dire le tabac? That means smoking. Le tabac est dangereux, très dangereux pour la santé des jeunes. Why? Ça pourra causer le cancer des poumons. Ça pourra causer beaucoup de maladies respiratoires. It can lead to a lot of respiratoire, maladie respiratoire, that means that this is respiratory effects or diseases. Hein? Le cancer aussi de poumon, ça pourra causer le cancer de poumon, hein? Lung cancer. D'accord? Et bien, le tabac est très dangereux pour la santé des jeunes, ça pourra causer le cancer des poumons. D'accord? Ça pourra causer beaucoup de maladies, I can say beaucoup de maladies, d'accord? De maladies respiratoires. For the A students, for the A star students, ça pourra causer
beaucoup de maladies respiratoires comme le cancer de poumon. Look now to the answer. It's a full answer. D'accord? That you, huh? You worse the A-star here. D'accord? Ça pourra causer beaucoup de maladies respiratoires comme le cancer des poumons. Numéro 5. À l'avenir, que pourras-tu changer dans ta vie pour améliorer ta santé? Pourquoi? What you would like to change in your lifestyle to improve your health or your health style? À l'avenir, I mentioned à l'avenir, je voudrais, don't forget the word, je voudrais, j'aimerais, je voudrais éviter les cochonneries et les sucreries parce que j'aimerais me maigrir. I would like to stop junk food and sugary food parce que j'aimerais me maigrir, j'aimerais me maigrir. I would like to lose weight. Also, another answer, je voudrais éviter le fast food. I want to stop fast food parce que ça contient beaucoup de matières grasses because it's full of fats. Parce que ça contient beaucoup de matières grasses. Parce que ça contient beaucoup de matières grasses. That means that question number 5, it's important also. You have to mention a lot about what you would like to do to improve your health style. D'accord? Je répète, à l'avenir, je voudrais éviter les cochonneries, les sucreries, parce que j'aimerais me maigrir. Aussi, I can mention, say, aussi, also, je voudrais éviter le fast food parce que ça contient beaucoup de matières grasses. I hope that it was easy. D'accord? See you soon. À la prochaine. Hello, student. Hope you are fine for today. We are continuing our French speaking episode number 2, but today we are going to talk about a topic conversation number 2, la communication et la technologie. D'accord? Like we said before, the speaking exam will include one role play. We are done with the role play. We are done with the topic conversation 1. Now we are discussing the topic conversation number 2, that for 4 minutes. D'accord? On commence. Today's topic is la communication et la technologie. La communication et la technologie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la communication? That means that communication and technology, it's a very common topic that can come frequently. D'accord? Premièrement, like I said before in the past or previous videos, that you will not be able to see the question. You have to listen carefully to the examiner, understand the question, and start answering it slowly to avoid any frequent mistakes. D'accord? Premièrement, what is the question, the predictable question that can come about this topic? Premièrement, qu'est-ce que tu utilises comme appareil électronique? Qu'est-ce que tu utilises comme appareil électronique? What you use as electronic devices? D'accord? Numéro 2. Combien d'heures par jour passes-tu en ligne? How many hours do you spend online? D'accord? Numéro 3. Parle-moi de la dernière fois que tu as utilisé Internet pour ton travail scolaire. Talk about when did you use the internet for your school work. Numéro 4, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il y aura comme appareil électronique à ton avis? In 20 years, what appareil électronique can we have, in your opinion? Numéro 5, quels sont les avantages d'utiliser les réseaux sociaux et les inconvénients? Les avantages, the advantage, to use Facebook, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, et les inconvénients and the inconvenients. D'accord? Just to see that the questions are very frequent that can come any time. D'accord? Ready? On répète les questions une autre fois. We read the questions again. Qu'est-ce que tu utilises comme appareil électronique? That means that we have to answer which appareil électronique do we use? Combien d'heures? How many hours? Je passe 2 heures, 4 heures, 3 heures. D'accord? Qu'est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé Internet pour ton travail scolaire la dernière fois?
La dernière fois, par exemple, je peux dire last week, I used the internet to work for my project. I had to submit a project for maths, for bio, d'accord? In 20 years, in the future, d'accord? What appareil électronique would you like to have in 20 years, the coming 20 years? Et numéro 5, quels sont les avantages? This is a very important question. Hein? The avantages of les réseaux sociaux et les inconvénients des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est-à-dire social media. D'accord? Maintenant, on commence à répondre la communication et la technologie. Qu'est-ce que tu utilises comme appareil électronique? We can say normalement, usually, this is important to start with, normalement, d'habitude, hier, the connected work. Hmm? Normalement, j'ai 3 appareils électroniques chez moi, un portable, une tablette, un ordinateur. J'utilise l'ordinateur pour faire le devoir, la tablette pour regarder ou télécharger des jeux vidéo et mon portable pour chatter avec mes amis en ligne ou envoyer des messages. I repeat again, the answer is a big answer. Normalement, usually I have or I own, I own 3 electronic devices. I have a portable, that means a cell phone, une tablette, iPad et un ordinateur à laptop. D'accord? This is the, my electronic devices. J'utilise l'ordi. I use my computer pour faire le devoir, to do my homework. La tablette, the iPad, pour télécharger des jeux vidéo, pour download, to download some video games. And I use my portable, that means my cell phone, to chat with my friends online or to send them some WhatsApp message or des messages. D'accord? Ben, je répète, when they ask you, qu'est-ce que tu utilises comme appareil électronique? I don't mention only I have 3 electronic devices or 2. No, you have to say what are these electronic devices and why do you use them, in what you are using them. D'accord? Je répète, normalement, j'ai 3 appareils électroniques chez moi, un portable, une tablette et un ordinateur. D'accord? J'utilise l'ordi pour faire le devoir, la tablette pour regarder ou télécharger des jeux vidéo et mon portable pour chatter avec mes amis en ligne ou envoyer des messages. D'accord? Deuxièmement, combien d'heures par jour passes-tu en ligne? How many hours do you spend online? It's an easy question. I would say d'habitude, normally, or normalement, but I have to change it. D'habitude, je passe 2 heures en ligne chaque jour. Mais le week-end, je passe 4 ou 5 heures, d'accord? Sometimes I work for 2 hours online or during the weekend, je passe 4 ou 5 heures, d'accord? Numéro 3, parle-moi de la dernière fois que tu as utilisé Internet pour ton travail scolaire. When did you use the Internet? Hier, I will say yesterday, j'avais un projet de biologie. I had a bio project. Donc, j'ai téléchargé des informations, I download some information, j'ai imprimé des photos, I printed some photos, puis j'ai envoyé le projet à mon professeur par courriel. This is important, the word courriel, it's the email, but in French. D'accord? And I sent the project to my teacher by email. That means all of this needs the internet. When did you use the internet? I will say, hier, j'avais un projet de biologie, donc j'ai téléchargé des informations, j'ai imprimé des photos, puis j'ai envoyé le projet à mon professeur par courriel. D'accord? Dans 20 ans, qu'est-ce qu'il y aura comme appareil électronique à ton avis? In 20 years, what electronic devices that maybe we have in the future? We say, dans l'avenir, je pense qu'il y aura des montres connectées par Wi-Fi ou des stylos électroniques. Maybe we have, we will have some electronic pens and some electronic watches. Je voudrais en acheter certainement. I would like to have certainly. Je voudrais en acheter certainement. D'accord? Je voudrais. Don't forget, il y aura, this will be in the future, to show the exam that I know how to use the future.
il y aura des montres connectées par Wi-Fi et des stylos électroniques. Hein? Je voudrais en acheter certainement. I would like to have certain. Maintenant, quels sont les avantages? Numéro 5, quels sont les avantages d'utiliser les réseaux sociaux? What are the advantages to use or to have Facebook, Twitter, all of this social network, media? D'accord? Les réseaux, I have to say, les réseaux sociaux comme, I have to mention them to show the examiner that I know them. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter sont très importants ces jours-ci. It's so important. On peut les utiliser pour partager des nouvelles, to share some news, des photos, to share some photos, ou se communiquer avec les copains en ligne, or to contact our friends online. But on the other hand, cependant, ils ont beaucoup d'inconvénients. They have a lot of inconvenients. C'est un gaspillage de temps. It's a waste of time. Et parfois, c'est coûteux. It's expensive. We have to pay for the Wi-Fi. D'accord? J'espère que c'est facile aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Hello, student. Hope you are fine today. We are continuing our French speaking episode number two. Our topic for today is the role play Aller au parc d'attraction. Aller au parc d'attraction. To go to a theme park. As we mentioned before, that the French speaking exam will include one role play for 2 minutes, topic conversation for one. Topic for 4 minutes, topic conversation two for another 4 minutes, okay? Our new role today is, topic is aller au parc d'attraction. First, we have to see the question, to discuss the question, but like I said before, you will not be able to write any notes during the exam, d'accord? The candidate here is your yourself, and the professor is an ami belge, your friend, un belge ami. D'accord? Vous voulez aller à un parc d'attraction en Belgique. Vous voulez aller à un parc d'attraction en Belgique. Vous parlez à votre ami belge. Je suis votre ami belge. That means that the two person, yourself and your ami belge, talking to each other. D'accord? And don't forget also that when you talk to your ami, you use tu or you use te. D'accord? Tu and te when you are speaking to your friend. It's a friendly conversation. D'accord? Premièrement, la question numéro un, quel jour veux-tu aller au parc d'attractions? Quel jour is asking about the day? We can say lundi, mardi, mercredi. D'accord? When you would like to go to the theme park. D'accord? Numéro 2, est à quelle heure? He's asking for the time. À quelle heure ouvre le parc d'attractions? Opens the theme park. We can say à 8 heures, à 10 heures, à 9 heures. D'accord? Numéro 3, la dernière fois que tu es allé, like we said, he will ask about the day, about the time. Now, a question in the past to check your past tense verbs. D'accord? La dernière fois que tu es allé à un parc d'attractions, c'était où? Where was the park d'attraction that you went the last time? And avec qui you went with whom? D'accord? We can mention where it's Disneyland park or any park d'attraction in your city. D'accord? And with who? Avec mes amis, avec ma famille, avec mon frère, with any members of the family or with any of your friends. Numéro 4, est-ce que tu préfères visiter les parcs d'attractions ou des monuments historiques? He's asking you here, do you prefer to go to theme parks or to visit historical monuments? D'accord? Pourquoi? And he, you have to say why. D'accord? You can say you prefer this or that, but you have to say why. D'accord? Numéro 5, qu'est-ce que tu aimerais faire? This is the question in the conditionnel, in the future, the last question. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir après le parc d'attractions? What you would like to do after the attraction park. D'accord? This means that we use the future and the conditionnel. D'accord, mes chers?
You have to work out for it and we will start. Aller au parc d'attractions. Premièrement, quel jour veux-tu aller au parc d'attractions? We can say salut. Why salut? Because it's a friend. D'accord? We don't say bonjour, monsieur. Non, it's a friend. Salut. Salut, Jean. Salut, Pierre. You will say, je veux aller au parc le samedi matin. D'accord? That means we can start. Hello, je veux aller. I would like to go. I like to go. Je veux. Je veux aller au parc le samedi. Hein? Je veux aller au parc le samedi matin. D'accord? Le samedi matin. Mm-hmm. À quelle heure ouvre le parc d'attractions? You can say le parc ouvre à 8 heures le matin. À 8 heures le matin, à 10 heures le matin, comme tu veux. Numéro 3. La dernière fois que tu es allé à un parc d'attractions, c'était où? You will say when. L'année dernière, je suis allé au parc Disneyland hein, en Floride, d'accord? Ou à Paris, Disneyland en Floride ou à Paris avec mes copines de classe. Hein, avec mes copines de classe, with my friends, hein, or my classmate. Numéro 4. Est-ce que tu préfères visiter des parcs d'attractions ou des monuments historiques? You will say, moi, je préfère visiter les parcs d'attractions. Why? C'est plus amusant. C'est plus amusant. Hmm? D'accord. Numéro 5. Qu'est-ce que tu aimerais in the future? Aimerais faire ce soir après le parc d'attractions? You will say, après le parc, je voudrais manger dans un restaurant italien. Ça serait génial. Je voudrais aller au cinéma. Ça serait génial. Je voudrais, and you mention what do you want to do. Et mais after je voudrais, we always put the verb in the infinitive. Je voudrais manger, je voudrais aller, je voudrais visiter, d'accord? Ou je voudrais manger dans un restaurant italien. It's easy, I want to eat in an Italian restaurant. Ça serait génial, it will be genius. D'accord? Hope it's easy and fun and easy to understand. D'accord? See you soon.